Alors, le comptoir national de l'or permet aux particuliers d'accéder au marché de l'or physique et donc d'acheter et de vendre des produits hors investissement, pièces d'or et lingots d'or, sur la base des cotations officielles, en toute simplicité. Effectivement, quand vous achetez de l'or, il n'y a pas de fiscalité. Quand vous revendez votre or, il y a une fiscalité qui, depuis 2006, est double. Vous avez le choix entre la taxe sur les métaux précieux à hauteur de 8% du montant de la vente, ou de l'autre côté, la taxe sur les plus-values, qui est une taxe à hauteur de 34,5% de la plus-value réalisée. Pour bénéficier de ce second régime, il faut avoir une facture avec des produits qui sont liés à cette facture. Et donc, si ce sont des pièces, que les pièces soient sous sachet scellé numéroté, que le numéro soit reporté sur la facture, pour qu'on puisse identifier la date d'achat, le nombre d'années de détention et le prix d'achat pour pouvoir calculer cette plus-value. Alors, il y a plusieurs supports aujourd'hui qui sont disponibles. Le support que nous conseillons le plus, c'est le Napoléon ou la croix suisse, qui sont les pièces les plus liquides et les plus faciles à échanger. Attention à ne pas se tromper de Napoléon. Le Napoléon Coq Marianne, celui qui bénéficie de l'effigie Coq Marianne, est le seul qui bénéficie de la cotation. Les autres Napoléons ne s'échangent pas sur la base de cette cotation et ne sont repris que sur la base du cours du poids d'or qu'ils contiennent, et donc ne bénéficient pas de la prime qui est intégrée à la cotation. De l'autre côté, pour ceux qui ne souhaitent pas investir dans des pièces, ils ont la possibilité d'investir dans des lingotins. Le lingotin va de 20 grammes à 1 kilo. Et ces lingotins ont des primes qui sont moins élevées que les Napoléons en règle générale. On constate que les cours de l'or se sont contractés ces derniers mois. On est atteint un plus haut historique à 44 000 euros le kilo. Aujourd'hui, on est autour des 40 000 euros le kilo. On considère donc que c'est un bon moment pour se positionner à la vue des cours intéressants.